voyage en Turquie a été un voyage de rêve. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Et c'était une révélation pour moi, parce que jamais que j'aurais pensé que j'aurais vu autant de nourriture absolument extraordinaire. Les terrains de golf, tous les terrains de golf à rêver à vouloir jouer. Et le service qu'on a eu avec Turkish Airlines, c'était vraiment un service de VIP. Alors, je suis partie avec un petit peu dire, je m'en vais en Turquie jouer au golf. Puis je suis revenue en disant, wow, je veux absolument retourner. Comme golfeuse, qu'est-ce que j'ai vraiment trippé? C'est le fait de jouer au golf le soir sur un terrain éclairé. Alors, on commençait à jouer à fin de journée. Quand le soleil baissait, les lumières s'allumaient. On dirait que les arbres, c'était comme des brocolis. On voyait notre balle dans le ciel. C'était tellement bien éclairé. C'était vraiment, vraiment un trip de golfeuse de pouvoir jouer le soir sur un terrain illuminé. Si j'avais à répéter l'expérience, je le ferais demain matin. Qu'est-ce que je dirais, c'est rester plus longtemps pour pouvoir être un touriste un petit peu sur le côté culturel. Sur le côté du golf, je rejouerais les mêmes terrains. Et je dirais aux gens que vous allez rester dans des hôtels et vous allez être servi comme si tu étais vraiment un 5 étoiles VIP. Il y a la qualité de la nourriture et la qualité du service, c'était vraiment au-delà de toutes mes espérances. Alors, définitivement, sur votre bucket list, le monde devrait mettre un voyage pour aller jouer au golf en Turquie.